Ça prendrait pas 10 000 ans à changer le monde. Du moment qu'on reprend notre pouvoir, mais c'est qu'on a laissé aller notre pouvoir tellement, puis eux, ils gardent le pouvoir à travers le climat de Oui. peur, le climat d'angoisse. Ils font flipper les gens pour que les gens réagissent d'une certaine manière. Moi, ce que je vois, c'est que les politiciens, par exemple, sont tous de mèche. Ils ont tous leur rôle à jouer. Ils font semblant d'être ambivalents, quoi. Ils font semblant d'être les uns contre les autres. Ils font semblant d'être concurrents. Mais ils sortent des mêmes écoles, justement. Ils ont été les mêmes élèves, des mêmes professeurs. Ils sortent des mêmes écoles, mais les plus à craindre. Est-ce que ce sont eux ou les metteurs en scène qui sont dans l'ombre? Celui qui tient la caméra, celui qui écrit le scénario derrière, tu vois? Que dire des Jacques Attali, c'est soi-disant un journaliste économiste qui décide de certaines choses qui sont décidées en politique. Que dire, ça c'est des Français, ou que dire de... Comment il s'appelle encore lui? Il ressemble à Dracula en plus avec sa coupe et sa tête là comme ça. On dirait vraiment Dracula ce type. En plus, ça doit être un vampire en vrai quelque part. Bernard-Henri Lévy, voilà. Comment ça se fait qu'un soi-disant écrivain Ah et oui, c'est un humaniste, écrivain, lui, ouais. un écrivain humaniste décide d'aller lyncher Kadhafi ou décide de faire la guerre, je ne sais plus où, en Ukraine? Comment c'est possible? Ils sont même pas politiciens, le peuple n'a rien demandé, ben, le peuple c'est des acteurs. En fait, c'est même pas des acteurs, c'est des figurants. Tu vois, les multinationales, eux, ce sont des acteurs. Les politiciens sont des acteurs. Tu vois, les PDG, tout ça, les politiciens, les ministres sont des acteurs. Par exemple, les ministres sont nommés qui votent pour les ministres. Par exemple, quoi. Après, je ne sais pas comment ça se passe, mais regarde, là aussi, c'est une pièce de théâtre. On fait croire que tous les pays anglophones, tous les pays qui ont été colonisés par la couronne d'Angleterre, n'est-ce pas qu'un premier ministre, qu'elles sont sujets, tous ces pays sont sujets de la reine d'Angleterre. Tous ces pays font partie du Commonwealth. Tu vois, il y a plusieurs pièces de théâtre dans une grande pièce de théâtre, en fait.